la fameuse vidéo, succès énorme, hein. Les enfants chantonnent ça à table, ça rentre dans la tête des gens, Moi-Man, Noël Valls. Alors on va voir la séquence évidemment. Une partie. Moi je m'appelle Manuel Valls, tournerai à Paris, fais molt que no mano, el que em diguin jo faré. Puc ser el president o un caça gitano, potser fundaré un partit. No m'importa si és de dreta o d'esquerra. Vai, vai, vai. Adéu, Ajuntament de Barcelona! Mai t'oblidaré! Perdoni, això és la Generalitat i aquí està l'Ajuntament. Voilà. Bah, la caricature est à la fois cruelle et juste, et quand il y a du talent, il faut toujours le reconnaître. Ah, bon, ce programme qui s'appelle Polonia... C'est militant, c'est tout ce qu'on veut. Ah non, mais il faut savoir que la télévision publique catalane, c'est inimaginable. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a ce programme où il y a évidemment beaucoup de qualité, est une machine de guerre, de propagande idéologique qui n'existe nulle part en Europe. Et il n'y a pas la séquence... Traître, il y a pas la séquence opportuniste. Oui, et on ne voit pas la séquence, parce que vous ne l'avez pas passée, où en plus, j'ai des billets de banque partout. Donc, c'est toutes les caricatures qui allaient... Alors, c'est bien fait, ça vous fait marrer, ça fait rire du monde. Ça vous fait marrer, vous? Moi, oui, moi, on a souri. Oui, parce qu'il faut toujours... Et puis, vous savez, la meilleure réponse... Vous avez déposé une plainte? Non. Non, non. Non, non, mais non. Ensuite, rien. Mais non, mais il manquerait plus que ça. Mais ce que je veux dire à ceux qui regardent, c'est une machine de guerre. Et tous ceux qui ont lutté contre le séparatisme et l'indépendantisme catalan, qui n'est pas de gauche, qui n'est pas progressiste, qui a des relents racistes, cette télévision notamment, ils reçoivent ça dans la gueule tous les jours. Et moi, ils me détestent pour une seule raison. C'est mon grand exploit à Barcelone. C'est que par mon vote... J'ai empêché que Barcelone ne tombe dans les mains des indépendantistes. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce que ces groupes-là me détestent. Mais bon, écoutez, je les ai battus. Donc, c'est normal qu'ils se prennent leur revanche.